Bonjour à tous, et c'est Tephis! Et c'est en compagnie de la belle Lara Croft que nous avons commencé cette deuxième session de Rise of the Tomb Raider. Et du coup, bah voilà, comme je dis, on va commencer une deuxième session. Alors du coup, ça sera peut-être... Alors ça sera une session de 2 ou 3 épisodes. On ne sait pas trop encore pour l'instant. Oups, alors le chrono. Mais j'ai pas un flingue moi déjà en fait. Mais j'avais un truc pour les enflammer. Et on se casse. Allez Zou, c'est bon, on a un flingue. Allez, on se casse, salut. Ah merde, elle le lâche. Ah, fait chier. Bon, tant pis. Ah, est-ce que je peux viser à travers la vitre? De toute façon, j'ai pas trop le choix, je pense. Oh, oh, oh. Headshot. On les a tous butés. Ils étaient que deux, donc ça va encore. Non, non, la touche, voilà. Ouais, l'armée rouge arrive. Mettez sur pause comme d'habitude. Oui, du coup, je galère un petit peu encore. Là, faut que je m'habitue aux touches. Attends, là, c'est pour sauter. Là, c'est pour être Gollum. Et toi, t'es seul. Athéos, Athéos. Ils l'ont capturé. Oh non. Non, non, non. Vite, je vais pouvoir fouiller son cadavre. Bon, tant pis. Alors là, il y a des serveurs. Attends, est-ce qu'on peut les péter? Attends. Attends, c'est quelle touche pour frapper? Mais c'est ça, non, pour frapper la touche. Voilà. Sauf que là, on peut pas frapper. Ni, on peut pas frapper les herbes. Ah si. Ouais, ou pas, hein. Ça marche pas très bien leur truc. Voilà, et puis je suppose qu'il va falloir délivrer le second mec qui est enfermé. Sauf qu'il y a deux entrées. Ou plutôt, il y en a une. Voilà, ça c'est fait. Changer d'arme. Alors. Ouais, on a l'arc, c'est vrai. L'arc est beaucoup mieux, je pense. En tout cas, en mode discret. C'est beaucoup mieux. Non, 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 arrête. Ah, t'as des munitions. Oh. Comment ça se présente? T'es sûr que je puisse stopper cette fuite? Oh, on peut l'enflammer. C'est pas Captain Billy là du premier épisode? Ah si. Je t'avais confié cette mission. Oui monsieur, on s'attendait pas à autant de résistance. Tu étais censé être mes yeux. Donc je vais prendre le tien. Pour moi. Est-ce que tu as bien conscience de l'enjeu de cette opération? Oui, mais... Non. Je ne crois pas. Comment quelqu'un comme toi le pourrait? Ah bah voilà, qu'est-ce que je disais? Tu étais mes yeux. Tu ne laisseras point. Tu ne laisseras plus plutôt. Enfin bref, je suis un méchant, un gros gros. De la souffrance. Les autres ils regardent, comme ça en mode normal. D'ici peu, nous toucherons au but. Je suis méchant. Que nous restions vigilants. Si nous y parvenons, un nouveau monde verra le jour. Un monde dont nous serons les créateurs. Constantin. Ah, il a pas dit la fin de sa phrase. À la prison tout de suite. On a un captif qui a l'air d'en savoir long sur l'artefact. Restez fidèles et vous partagerez la gloire de la source divine. Mais c'est moi ou les sous-titres sont vraiment à la zob dans ce jeu? Oui, je suis encore là-dessus, je suis encore sur les sous-titres qui sont posés à la zob. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Que personne ne le touche. On a une nouvelle fuite de carburant. Qu'est-ce qui s'est passé? Chut. Allez, il faut stopper la fuite. Après cette attaque, on peut pas se permettre d'avoir plus de pertes. Ok, je m'en occupe. Minute, je vais voir ce que c'est. Reçu. Attends, normalement ils sont censés être... Attends. Non, non, attends, c'est quoi les instincts prédateurs? Tant pis. Tu n'as rien vu. Par contre, ouais, les instincts de prédateurs, c'est quoi? C'est... Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est pas ça. Là, c'est une bouteille. Allez, tiens, un petit peu d'alcool, ça va te faire du bien. Rien à foutre. Il s'en bat les couilles. Merde, j'ai oublié les instincts prédateurs. Il faut que je trouve un moyen de détruire ce réservoir.
Bah c'est bon là ça. Attends, non, pose ça. Ne fais pas. Non, Lara, 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 pose. Pose ça. Voilà, je préfère. Maintenant tu peux faire le. Attends, est-ce qu'on peut le tuer? Mais pose le truc. Alors attends, les yeux, si tu veux, je les ai arrangés. Voilà. Tire à la tête, élimination furtive. J'étais juste sur sa gueule. Nop, 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 nop. Bon, donc je disais. Voilà. Moi, je vais faire ça sur les ennemis, moi. Oh. Oh, oh par contre, discrétion. Oh. Oh, finish him! Dégage, crève! J'ai on me tire dessus pendant ce temps-là. Oui, oui! Attends, ça brûle! On l'a étranglé! C'est bon. Oula! Aïe, ça brûle! T'es mort? Eh ben non! Je suis pas là. Ouh, tire à la tête! Ouais, c'est vrai que là, on est en mode facile. Ah putain, mais je suis con, on aurait pu tirer là-dessus. On est en mode facile, donc du coup, c'est pas super dur non plus. Attendez, ça explose. J'adore les flèches qu'on tire, quoi. C'est pas du tout nimp. Ok. Il y a des portes et tout à côté, mais non. Passons par la fenêtre. J'aime bien les feux de camp, ils sont partout dans le jeu. Constantin, l'homme qui a tenté de m'éliminer en Syrie, est ici. Ouais. Il est méchant. Il est violent et dangereux. Et très méchant. Mais le pire, c'est qu'il semble se consacrer corps et âme à ses croyances tordues. Ça parle mal. Apparemment, il a le chic pour se brouiller avec les fanatiques religieux. Oh. J'imagine que ce lieu n'y est pas étranger. Qui d'autre se mettrait en quête du secret de la vie éternelle? Oh. Ah oui. Ces hommes ont parlé d'un prisonnier détenant des informations. On va rester là-dessus. Alors. S'agit-il de l'un des habitants que j'ai rencontré? Lara, t'es chiante. Et que sait-il? Ta gueule. Les Trinitaires. Ah pour le découvrir. Qu'est-ce que je vais prendre là? Je pourrais peut-être le retrouver, le questionner sur ce qu'il sait. Il pourrait être judicieux de gagner la confiance des natifs. Bah oui. Vas-y, que ça maintenant. Vous obligez beaucoup moins de dégâts. Non, les moins de dégâts pour l'instant, ça c'est pas ce qui me fait plus peur. Le temps de viser stabilisé augmente pour les tirs chargés à l'arc. On va dire que c'est bon ça. Les animaux brillent quand vous utilisez l'instinct de survie. Les plus gros, les empreintes, on s'en bat les couilles pour l'instant. Les ennemis tués ou modérateurs par des objets transportables, hein. Fabriquer des bombes, ouais. Ah, atterrissage, vous blessez à pouvoir sauter de haut, appuyer sur B pour rouler quand vous touchez le sol. Ça peut être pas mal, ça pour le. Ou alors ça. Voilà. Du coup, ça se trouve, ça peut-être arranger certaines choses. Ah, résumé de la région. Je sais pas si on se met en mode exploration ou pas. Ah, des lapins! Oh, oups. Lapins! Désolé, mais j'ai besoin d'eux. Oui, on est volant, très bien goûtu. Ouais, c'est pas là-dessus que j'ai récupéré des flèches. Alors, là-dessus, je peux pas monter, c'est sûr. Du coup, on va passer par l'échelle. D'ailleurs, oui, ça se trouve. Du coup, je dis ouais, donc je revenais à ce que je disais. Je vais me faire repérer si je passe par là. Mais non. Il doit bien y avoir un autre accès. Genre là où il y a la tyrolienne? Ou le truc, ou le truc qui brille là-bas? Ouais, j'ai évité de chercher trop de choses non plus parce que je pense pas que ce soit vraiment très intéressant au final. Par exemple, là je suis sûr qu'il y a quelque chose. Ou pas, mais ça se trouve, je vais me faire. Enfin, dans tous les cas, je vais me faire buter si je passe par là, je pense. Donc, autant passer par ici. Voilà, voilà. Oh. Oula, non. Si je le tue, ça va se passer. De toute façon, je vais même pas. Là je vais charger mon tir, là je peux pas. Attendez, attendez, un test. Regarde, hey, j'ai tiré dessus. Oh. C'est nul, on peut pas tirer sur les gens. Quel jeu mal fait. Ouh. Ne tirez pas, je ne suis pas hostile. J'ai réussi. C'est pas ce que ta copine disait tout à l'heure, hein. Enfin plutôt l'autre jour, mais bon. Aider les alliés pour aider... Encore? Non, non, tais-toi, monsieur Croft. Taisez-vous, monsieur Croft. Attends. Qui êtes-vous? Tout ça peut attendre.
si vous voulez des réponses, écoutez attentivement. Ouvre le coffre. On a réussi à détruire l'ancienne tour radio, mais il reste en contact grâce à des antennes relais. Il faut les neutraliser. Aidez-moi, et je dirai aux autres qu'ils peuvent faire confiance. D'accord. Je vais y jeter un œil. Parfait. Mais à quoi ça ressemble une tour de transmission ? Indicateur des missions facultatives, l'instinct de survie pour faire des objets en surveillance. Genre les trucs en vert ? C'est ça les trucs à détruire ? Là par exemple, Pyopo. Donc c'est bon, on a découvert les missions annexes. Tac. Alors par exemple, est-ce que c'est ça ? Ah, des loups ! Des loups ! À moi. Merci. T'as vu, on a des lingots, on a des planches et des lingots. What is the actually fuck? Ah, c'est bon. Ninja. Je sais pas pourquoi je monte en haut. Mais je pense que s'il y a un passage par ici, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Et on passe au-dessus. Ou plutôt dedans. Un tonneau! Avec une feuille dedans, c'est chouette. D'accord. Bon, du coup. YOLO! Et au final, ça servait à rien parce que le passage est ouvert, ou peut-être pas en fait. Oh, tombeau facultatif! Explorer pour trouver l'entrée. Voilà, mettez sur pause, comme d'habitude. Ça, je ne changerai jamais. Je ne dirai jamais assez. C'est quoi ce truc là-bas? Oh, chevreuil! Un calibou! Tabernacle! C'est une belle bête! Il est où? Bon, ok, on va laisser Bambi tranquille. Donc attendez, du coup il y avait un tombeau pas très loin. Genre par ici? À moins que ce soit par là. C'est appuyer sur B pour courir plus vite. Non, ça c'est dans. Ça c'est dans Dark Souls. Ah, c'est là. Ça va être par ici peut-être. Oula. Oh la belle bête. Oh le beau. Chut. Philippe. Ah non, c'est l'entrée en fait. Merci. Alors je suppute que le tombeau doit être ici. À moins que... Défi, au fond d'explorer les grottes du complexe soviétique. Oh. Oula. Vous avez exploré une grotte déjà? Il aime pas ça. Ninja. Tu fuis, hein? Hé hey, hé. Personne n'échappe à la pièce de tombe. C'est pas un loup, ça. Personne n'échappe à la pièce de tombe. Et je suis con, il y a peut-être des minerais. J'aime pas ça. J'ai l'impression d'entendre une bestiole quand je marche. Je suis parano. Par contre, c'est quoi le point d'intérêt? Il y a pas un loup là? Tant pis. C'est quoi le point d'intérêt ici? Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait des minerais. Ah oui, t'as froid, ma petite dame. T'as vu le truc que tu portes aussi? Ah, désolé, il y avait pas de doudoune. Hein. Mais si, il y en avait, mais bon, on l'a pas pris. Voilà. Parce qu'on s'en bat les couilles. J'ai cru entendre un chien. Sale bête! Non, non. Tu grognes pas. T'es mort, tu grognes. Ah voilà, tu grognes pas. Les morts ne grognent pas, Billy. Tu dois le savoir depuis le temps. On a un air faussement stylé avec cette voix là. Ouh! Ok. Il y a des cartes comme ça qui sont posées au pif. C'est beau quand même, tant d'organisation. Du coup, ah ça se trouve il y a peut-être un chemin par ici. YOLO. C'est bon ça. Encore un nid.
Eh ben dis donc. Et pendant ce temps-là, les points relais. Les relais attendent toujours. Oh, le petit feu. Wouhou, le petit feu. Et ça, c'est classe. Ah, amélioration disponible. L'arc? T'as quoi? Non, non plus. Oh, oh, détenu. 4 survie disponible. Rangé sibérien. Non, c'est moche. Avant-garde antique. Oh, mais c'est n'importe quoi. Bella donne. La tête qu'elle fait. Gardien immortel. Oh, c'est stylé, mais c'est n'importe quoi. Bah attends, mais inventaire 0. Mais si, j'ai ramassé de l'argent. Il faut un ours, du matériau et de l'or. Sauf que du lore, bah non, du lore. De l'or, normalement, j'en ai déjà. Bon, du coup, on va rester là-dessus. Regardez, amélioration disponible. Ah oui, c'est disponible. Ça veut pas dire qu'on peut, les acheter. Ah, tant pis. Il faut que je trouve un sanglier. Un sanglier. Ouh, ouh. Merci. Bonjour, est-ce que vous avez un sanglier? Non, je refais la phrase. Qu'est-ce que des donc que ceci? Ok. C'était chouette. Alors, le tombeau il est où? Document. Explorer une grotte tintin. Ah, le tombeau il est par ici. Yelloré un jour. Yelloré! J'ai cru que j'avais foiré. Oui! Salut! Genre, je t'avais pas vu. Allez, on passe par ici maintenant. On fera le tombeau quand on aura envie. Voilà. Ok. Je m'attendais à certaines choses. Ah, putain, il y a peut-être des méchants. Attends, non, ça attend. Faut détruire ça. Comment qu'on fait? Ou alors, sinon, faut aller au corps à corps. Allez! Les antennes relais. Elles ont dû être installées par les trinitaires. Allez, pète-moi ci! Ok. Comme ça, on va se faire plein de copains. J'ai avec la musique qui s'excite. Chut, il y a peut-être des méchants. Ou pas. Ouh, attends pas seul par ici. Yo! You! Voilà, et on monte ici, comme on fait si bien de le faire. Par contre, toi du coup, t'es une échelle. On est d'accord, bon ok, on s'en fout de l'échelle. On va explorer la grotte qui est par ici. Et pourquoi tu t'excites? Ah, peut-être parce qu'il y a encore des loups, c'est ça? Des loups? C'est pas l'arme que je vais utiliser. Moi je vais utiliser l'arc. Voilà. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh les beaux. Oh les cons. Ils sortent d'où? Je suis fatal. Oh la. Vilaine bête. Non non non. Arrête. Arrête. Non non. Ils veulent nous manger. Ça bête. Oh mais il bug. Mais les loups ils bug. Oulala, oulala. Oh pété. Non 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 non. Regardez. Regardez, j'esquive. Merde. Oh. Oula. Ah, rassurez-moi, c'est juste le vent qui fait ce bruit là. C'est pas un putain d'ours géant. Ils sont où? Putain, mais je vais me faire bouffer par des loups. C'est quand même pas de bol. On affronte une armée de sibériens et on meurt bouffé par des loups. Bon, alors. Voilà, on reprend le bébé.
sainte notre père. Prenons ces champignons. Ils sentent notre père. D'accord, il y a le cas bugué. L'eau qui fait des bulles. Le jacuzzi pour grenouille. Je sais que t'es là. Je le sens. Il nous observe. Ou pas. Bon ok, laisse tomber. Oui, il y avait des champignons, on a vu les champignons et bon, on s'en fout. Ok. Ok, 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 le loup, on s'en bat les couilles apparemment. C'est quoi ça? Putain, mais il y a des chorches chaudes dans le coin. Pourquoi t'as... Mais... Explorer le site pour trouver l'entrée. Mais j'y étais? C'était le tombeau, ça? Mais en dessous. Ah, peut-être y aller par là, non. Peut-être une entrée en dessous, ce truc-là. Par derrière. Nope. Par ici. Nope plus. J'ai l'impression d'être suivi, quoi. J'entends plus de bruit de pas que de personnes que je vois à l'écran. Non plus. Attends, l'objectif c'est où? Par où? L'objectif principal c'est par ici, d'accord. Donc si je passe par ici, y'a pas de problème. Yo! Attends, je pensais que le sort était plus épique que ça. Allez voir. Alors pourquoi je fais tout ça? Parce que du coup j'ai envie de faire copain-copain avec les indigènes. Oh! Oh bah. Eh ben dis donc. Soldats soviétiques. Il y a eu un massacre ici, on dirait. Encore un coup de l'ours. Et oui, les Russes. Les Russes ne sont pas forcément... Les ours ne sont pas forcément vos amis. Oh putain. Oui, je rends du boulot, c'est pour ça. Je suis un petit peu épuisé mentalement, psychiquement, parolement, voilà. Toutes choses en. Donc je suis pas très... au point. Ok, plus de ressources. Allez, on se casse. Et on se corse. Qu'est-ce que c'est que donc ça? C'est bien du russe. Ces notes semblent indiquer un emplacement proche. Mais je n'arrive pas à comprendre. Ça, je suppose que c'est un truc observé, ouais. Encore de la propagande. Travailler dur pour combattre le froid et la faim. C'est beau ce que vous dites. Pas moyen de l'actionner. Ok, alors. Niveau 2 possible. Attends, ah, niveau 2 possible, c'est-à-dire que je peux augmenter ça? Ce texte, il semble mener vers quelque chose à proximité. Sauf qu'il faut une corde de grappin d'après le texte. Cache de monnaie, comme par hasard, voilà. Tout un pan de trucs qu'on peut avoir seulement si on a le grappin de la mort qui tue, tout ça. Donc et tant pis, on l'a pas. Salut les décorations de Noël. Oh oh oh. T'es déjà 23 quoi, j'ai beau te dire de la merde, faire de la merde et tout, il est déjà 23. C'est quand même chaud. Encore un truc de grappin tout ça. Ah bah de toute façon les grottes, j'ai l'impression que je pourrais pas toutes les explorer. Écureuil. Alors là je sais pas comment je l'ai eu. Le jeu est cheaté. Et ça donne rien. Ok, je crois que les écureuils viennent donner quelque chose mais Allez, reviens gamin. Mais... Alors il y a des fois je sais pas comment je rate des trucs. Par contre là, des fois je sais pas comment je réussis des trucs. Alors là je suis étonné d'avoir raté ça. Carte mise à jour, point d'intérêt révélé. Grotte, oui du coup c'est une grotte que je dois explorer. Ok. Allez hop, un coup de tétane dans ta face. Écureuil, lapin. Vous êtes au piège, vous êtes pris au piège. Je suis la mort et la destruction. Tant pis, on s'en bat les couilles.
on va aller observer. Bon, j'ai envie de faire le tombeau là quand même. Il y a des leux. Il est où le truc? Ah, il est là. Comment je fais pour aller jusqu'ici? Bon, bah, on va supputer que c'est par ici. Ah, une autre grotte. Philippe! Je vais encore faire attaquer par derrière par les. Par les loups. Ou pas. Ou pas. On s'en fout. T'as le vide spirituel de tout ce truc là. Ça reste quand même chaud. Bon alors. Par où est-ce qu'elle a des. Comment je sais pour monter là-dessus par contre? Parce que. Attends, yo! C'est pas par ici. Ah, peut-être. Attends, on va essayer un truc. Geronimo! Yo! 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 Encore un feu de camp! J'ai l'impression qu'ils ont mis quand même vachement des feux de camp dans. Non! T'espères rien du tout. Tu te tais. Ah bah tiens, un truc que je vais détruire. Merci. Arrêtez de parler. Voilà. Alors, comment qu'on fait? Chut. Non mais. Qu'est-ce qui chante? Yo. Ouh, ça passe ici. Par contre, la vitesse à laquelle je monte, c'est un peu. Ça, on prend. Par contre, comment je fais pour. Comment je suis censé faire pour monter là-dedans? Apparemment, on peut aller là-dessus. Non mais! C'était pas prévu! Youlou! You was a bait! Bon, tant pis, pas de solvate. Je suis sûr que c'est là le trait du truc. Non, c'est pas là. Attendez. Normalement, il se trouve ici. Là, il y a peut-être des trucs à cramer, mais. Je me sens pas avoir vu de torche moi pour utiliser, pour cramer tout. Ah. Ouh, bah. Attends, mais j'étais déjà allé là. Voilà, c'est ici. Merci. Excuse-moi, je t'avais complètement oublié. Attends. C'est un truc par ici. Attendez, on va tenter on tente des choses. On va tenter des choses. Ouais, apparemment, c'est pas les choses là. C'est pas ici qu'il faut tenter des choses. Oh, ma jambe, je l'ai cassée. Explorer le site pour trouver l'entrée. Le problème c'est que j'ai beau explorer certaines choses. Ni. Non, j'ai pas envie de tomber. Oh dis donc. Faut quand même pas que j'entende dans la grotte quand même. Là. Donnez-moi vos richesses les Russes. Ouh, pièce d'arc à poulie. Ça va être classe ça. Plus de puissance. Plus de morts. Bon, on arrive à 30 et j'ai pas beaucoup, j'ai pas des masses avancées, j'ai vu un truc voler je crois. J'ai pas des masses avancées et j'ai pas trouvé ce fucking tombeau. Yo. Qu'est-ce que je fais? Non. YOLO. Ah ça passe. Tac. Ah peut-être en passant par ici. Suspense. Ou pas.
Bon, bah je crois qu'on va s'arrêter pour cet épisode là. Désolé de pas avoir beaucoup avancé, mais là je vous avoue, le tombeau m'intrigue. On va regarder si dans la grotte il y a le tombeau. Qui n'est pas là évidemment, la grotte évidemment de l'autre côté. Avec Nema derrière qui se fout de ma gueule. Ouais, c'est bien, Oust, va-t'en. On retente la chose. Nope. Ah bah, attends. Non, là évidemment non, ça pique, évidemment. Suspense. Oh, attends, j'ai vu. Allez, on va pouvoir jouer un peu à Minecraft. Mais voilà, pour le coup, y a pas de tombeau. On nous montre. Ah, mais c'est ça la magnétite, c'est le truc. C'est la ferraille qu'on trouve. Ah. Enfin, plutôt. Ah, la ferraille qu'on trouve, c'est. Non, attends. Bon, laisse tomber. Je voulais formuler une phrase, mais j'y arrive vraiment pas. Je suis vraiment crevé. Bon, bah, sur ce. Qu'est-ce qui arrive avec la musique? Ah! Putain, je suis pas doué. Bon. Il est où? Je suis vraiment pas doué, hein. Faut vraiment que je me repose. On t'a vu tourner ici? Et depuis quand les loups ils peuvent passer par ici? C'est de la triche? Bon, et bien, sur ce, comme je disais, désolé, enfin, encore une fois, hein, désolé pour le peu d'action qu'il y avait, mais j'aime bien chercher des trucs aussi. J'aime bien faire en sorte que quand je quitte une zone, la majorité des trucs soient faits. Mais bon, là, tant pis. Tombeau facultatif à proximité. Va te faire foutre le jeu. Je vais essayer de le trouver en off, ça. Et si je trouve pas, bah tant pis, on le fera pas. Ce qui est tout à fait normal. Et puis c'est tout. Bon, sur ce, un petit pouce vert quand même, on sait jamais. Ça peut toujours faire plaisir. Un petit commentaire au cas où, si vous avez envie de dire des choses. Et un petit abonnement si ce n'est toujours pas fait, évidemment. Et à plus, tout ça, tout ça.